Alors, la concrétisation de ce projet BioVallée, le préfixe bios veut dire art de vivre. On est au cœur du sujet. Dans l'art de vivre, vous avez l'art de se nourrir. Aujourd'hui, on est officiellement 80% de restauration de produits bio et locaux en restauration collective, 50% d'agriculteurs bio, et pour les agriculteurs qui ne sont pas bio, de diminuer de 50% les intrants. Voilà, ça c'était les grands enjeux que les élus de BioVallée se sont définis. En 2014, ce qui a un petit peu fait effet d'accélérateur et ce qui nous a fait rentrer dans la dynamique du système alimentaire, ça a été de se dire comment fédérer ces initiatives qui sont sur notre territoire, qui existent de façon finalement plus ou moins connectées les unes avec les autres. Et donc nous, en jouant ce rôle de coordinateur, il a fallu qu'on s'appuie sur des partenaires techniques. Donc nous, on va travailler essentiellement sur tout ce qui est le développement de l'accueil pédagogique à la ferme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré dans le système alimentaire innovant. Dans le projet système alimentaire, on a aussi beaucoup fait intervenir des agriculteurs auprès des enfants. Cette petite chose marron qui colle, qu'on a récupérée, on appelle ça de la propolis. De la propolis. L'idée, c'est que je me déplace dans les écoles avec tout mon matériel pédagogique pour partager mon métier, le monde des abeilles et de l'apiculture. Et puis j'accueille également sur la ferme. Donc on peut enfiler les combinaisons et aller visiter le cœur de la ruche en saison, visiter la miellerie, tout ça. Donc si on arrive à faire avec un projet partagé avec les instituteurs enfin, et la commune, tout ça, donc ils viennent voir sur la ferme ce qu'on fait, ils viennent goûter les produits, ils le retrouvent à la cantine et ça match à chaque fois. Parce que bon, on a un truc qui est bien, c'est quand même nos produits, ils sont simples et les enfants, les choses simples, ça leur parle. Alors, le programme est parti d'une volonté des parents d'élèves qui s'occupent de l'association de la cantine scolaire. Donc, c'est eux qui ont eu connaissance du projet Ça bouge dans ma cantine, qui ont désiré rentrer dans ce projet-là et qui nous en ont fait part parce que donc, ça nécessitait un partenariat, je ne sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça, mais en tout cas vraiment que l'école s'insère dans le projet, que ce ne soit pas juste en périphérie. Alors moi je participe à la coordination technique, donc au partenariat technique entre les différentes structures. Et après j'accompagne différentes actions. Donc au sein d'AgriBiodrome, j'accompagne la restauration collective à introduire plus de produits bio, locaux et locaux. Donc je travaille beaucoup là-dessus dans le système alimentaire innovant, donc auprès des élus, des cuisiniers, des parents d'élèves. Je travaille aussi sur les circuits courts, donc j'ai travaillé aussi un peu sur la logistique dans le cadre du projet, sur la restauration commerciale, voilà, sur les différents maillons en fait, qui construisent les circuits courts de notre territoire. Ça remonte à il y a environ 4 ans, et des parents d'élèves qui ont commencé à travailler dans ce sens et est venu se greffer le programme du coup de sa bouche dans ma cantine. C'est vrai que les a priori de prix de revient au départ, ça fait peur. Surtout quand on vient de la grande distribution. On se dit aïe aïe aïe, mais où je vais jamais y arriver. Et puis au fil des formations, des discussions avec d'autres cuistots, en fait, puis des réflexions personnelles que j'ai pu avoir aussi avec mon commis Fabienne, bah, petit à petit on a fini par y arriver. Alors on n'est pas passé de 0 à 33%, comme c'est le cas maintenant, du jour au lendemain, ça s'est fait en 4 ans. Il y a 4 ans, 80 couverts, je faisais 7 kg de légumes. Aujourd'hui, on a des pics à 140-150 et je suis toujours à 7 kg de légumes. Je crois que le plus gros du travail, c'était sur les quantités aussi. Les quantités servies aux enfants, en fait. Il faut travailler sur le gâchis qui se fait à table. Marie. Ça bouge à ma cantine, ici ça a été un franc succès. Quoi. Ouais. Et les gens parlent, les parents ils sont contents. Bah, on est aidés parce que c'est eux qui payent les interventions. C'est-à-dire que l'école et la cantine là ne déboursent aucun argent pour ces interventions-là. Donc du coup c'est énorme parce que on ne pourrait pas avoir autant d'interventions à l'échelle d'une école et d'une classe.
Agricourt a rejoint un peu plus tardivement officiellement le programme SAI. Agricourt répond à un besoin. En fait, alors on dit souvent besoin logistique. La logistique, c'est pas uniquement un camion qui va d'un point A à un point B. Il y a toute une coordination autour. S'il n'y avait que l'histoire du camion, il y a des transporteurs qui existent, qui font très bien leur métier, et du coup, il suffirait d'appeler un transporteur. Sauf que de trouver une solution logistique et de coordination d'approvisionnement local, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en réalité, c'est un gros travail de coordination. Donc ça va d'un métier où on va devoir gérer une planification avec des producteurs, jusqu'à gérer un client comme un client lambda. C'est sûr que nos achats qu'on faisait chez Intermarché ou chez un fournisseur, chez Davigel, qui représentait 80% de nos achats, n'étaient pas forcément d'alimentation du coin. Maintenant, c'est complètement basculé puisque 80% de nos achats se font sur le territoire. Et puis, pour être honnête, en termes de coûts, c'est gérable pour nous parce que comme on leur achète quand même des certaines quantités, aujourd'hui, on travaille à 80% avec des produits biologiques. Aujourd'hui, Agricourt, effectivement, en dépassant le million de volume d'activité, arrive, ça y est, à un volume suffisant pour payer son outil. On a réussi à fédérer un bon paquet de gens autour de tout ça et... Pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Au-delà d'avoir mis en place et aidé à la mise en place d'actions concrètes, elle a aussi aidé à la coordination entre les acteurs. En fait. Il y a quelque chose d'important aussi, un peu spécifique chez nous, c'est la relation élu-technicien. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire que les élus sont hyper moteurs, c'est eux qui ont le rôle politique, qui impulsent les choses, mais nous, on travaille beaucoup en concertation, rôle élu-technicien, et on est complètement confiant. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je sais que je suis en phase avec mon élu parce qu'on en a beaucoup travaillé et qu'on a beaucoup échangé. Si l'élu s'arrête au bout d'un mandat de 6 ans, si on parle d'un mandat municipal, le citoyen, lui, il reste toujours là. Donc je pense qu'il faut aussi travailler par le biais de la gouvernance, avec les citoyens et les associations. Et le territoire de la CCE, de la Biovallée, tout ça, je vois vraiment ça comme une ruche où chacun fait sa part en coopération. Et il y a moyen de montrer un nouveau modèle de société, oser remettre en question ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et vraiment je suis hyper reconnaissant de tout ce qui est fait sur le territoire et c'est pour ça que je me sens vraiment bien. Ce qui nous échappe d'habitude.